Bonjour, ici les Autumn Mustang Disciples. Wesh. Bonjour. Coucou. Oh putain, vous êtes motivés. Ah, ah désolé, mais j'ai vraiment j'ai fait un effort. Je ne peux pas faire mieux. Bon, Lenny a plus de voix, elle est excusée, mais les autres, un peu d'entrain. Ah désolé, j'ai bossé toute la journée. Oh, il n'y a pas d'excuses, là. Ah, Wingardium Leviosa. Merci, Lenny, pour ce son. Horrible. On va faire la mise à jour, n'est-ce pas? Moi, ouais, j'arrête de tourner. Attends, j'ai oublié. C'est quoi la mission? Il faut me suivre maintenant, les enfants. Ah bon? On est obligé. Ah là là, ça s'arrange pas, je vous. Ah oui, je te rentre dedans, Lily. Et Maki, tu me rentres dedans aussi, c'est beau. Attends, tu vas faire une crise à aussi. Et on les trace en fait, au pas, on les trace. Regarde, je suis même pas à fond. Oh mon dieu, Maki, elle nous trace avec son poignet. Ah la blague. Et ben on est beaucoup pour une fois. Oui. Et on est beaucoup mais il y a moins d'ambiance que quand on était deux quand même. Est-ce qu'on en parle? Allez bah il faut qu'on fasse du bruit. Non, merci, non. merci pour les oreilles. Eh ben vous êtes lent du cul. Il suffit quand même que ça tourne. On a l'air con. Allez. Ça changera pas d'habitude. Bon, qui c'est qui fait la voix de Barney? Ah, sûrement pas moi, pas avec ma voix. Non, surtout pas toi. Non, Lily, t'es VHS, toi. Pas moi. Lily. Quoi? C'est le seul homme de cette... Il s'est pris la barrière, Tu sais, je me suis dit patate froide. Putain, il me l'inquiète. Bon, Lily, bah, c'est quand tu veux pour lire. Attends. Votre pécor, hein. Voilà, ouais, c'est que j'ai un peu. J'ai un peu trop vite en bas. Attends. attends, il faut. C'est le barlet qu'il faut pas faire. Pas Barney, c'est Barley. Barley. Il est là, le bonhomme, là. Salut, Lily. Tu es bien ici pour participer à notre tradition de plantes de patates annuelles, hein. N'est-ce pas? Elle de la popularité, chacun des quatre personnes. C'est quoi cette voix, là? Attends un peu, tu sais pas de quoi je parle, hein. La tradition de plantes de patates est quelque chose que nous faisons pour célébrer le fait que le givre a complètement fondu sur la colline et que la température se réchauffe. Nous pouvons avoir commencé à cultiver nos terres. Nous savons seulement déterrer les patates. Lily, tu vas m'expliquer c'est quoi ce mélange d'accent mafia, de vieux et de... C'est pas... mafia, putain, elle est malade, hein, la mafia. Enfin, Afrique... Oui, c'est ce que tu dis, ça me démarre. Eh ben, tu l'as fait la voix dans ce cas-là. Comme ça, c'est mes père. Tu m'expliques. Bah, fais... Non, je t'explique. Fais-le, alors. Non, je veux pas le faire, je fais toujours les voix. Bah ouais, mais moi, j'allais... Ah, y a téléphone. Ça vous entraînera pour les doublages de la série, là. Allez hop! Oh, demande à Zane. Mais tu ne peux pas faire voir, je sache. C'est un message. Demande... Oh là là. Oh ah, ma maman a adopté un chiot! Il est trop mignon! Pardon. Hors sujet! Hors sujet total. Oui, hors sujet total. Il est trop mignon. Bon, bref. Du coup, Lily continue là, mais parle plus fort. Non. Il n'a plus de voix, tu veux dire, ouais. Tu veux que je le fasse? Je le fais avec ma voix de cœur, avec ma voix de pécor, là. Ah bah oui, si tu peux. Tu vas mourir de la voix, toi. Ouais, c'est pas grave. Bon, bah vas-y. Pas... Voilà. Salut Nenny, t'es bien ici pour participer à notre tradition de plantes de patates annuelles, n'est-ce pas? Elle gagne de la popularité avec chaque année qui passe. Attends un peu, tu ne sais pas de quoi je parle? La tradition de plantes de patates est quelque chose que nous faisons pour célébrer le fait que le givre a complètement fondu sur la colline et que la température se réchauffe. Nous pouvons enfin recommencer à cultiver nos terres. Nous célébrons cela en déterrant les patates qui ont survécu au froid de l'hiver. Je ne sais pas comment ces patates réussissent à survivre le froid. Vachement la belle phrase. À survivre le froid. Mais la terre de Jorvik a des propriétés magiques. Parle bien la France.
Voilà, certaines patates deviennent énormes et survivent au froid. Oh, Cela, mon énorme patate. celles qui survivent au froid sont aussi incroyablement délicieuses et sont considérées comme étant une délicatesse dans la région. Ah bon? Nous plantons ensuite de nouvelles patates lors d'une course où les cavaliers les plus téméraires de la région s'affronteront. C'est quelque chose digne des cavalières de ta trempe, j'en suis certaine. Il est certaine. Oh bah pardon, elle est transsexuelle, il n'y a pas de souci. Ton genre, Voilà. pardon. Rends-toi au champ de patates et déterre une très grosse patate et je te donnerai ma recette de patates au four. Allez hop, Non, je veux Lenny. pas, ça sert à rien. Marley, tu ne Marley, vas pas. tu... Ah, pourquoi Voilà. pas? Vous vous ennuyez dans le coin, c'est pas possible de se Pourquoi pas? retourner. Maki est déjà partie. Je crois qu'elle est Maki, trop pressée, Tu es à fond là, tu es à fond sur les Maki, elle est dans patates. les starting blocks en mode « Mais Allez, dépêche-toi de lire! Maki, elle avait déjà pris la quête. Alors, Dépêche-toi de lire! Wesh, cette patate est pourrie! Et c'est celle-là qu'il faut pécho, là! Venez pécho cette patate-là, là! Par contre, Lenny, on va arrêter de te faire lire parce qu'on va dire qu'on te maltraite. Bah bon, on le fait pas déjà. Les autumn Mustang disciples, C'est nous bon, j'ai eu. maltraitons nos membres. Prenez vos mains. Impatient. Surtout ceux qui sont malades. En gros, t'es faible, t'es une victime. Bon, Allez, alors. trouvez, j'ai trouvé. Il est trop mimi, je peux Merde, j'ai cliqué sur la boutique. Mais Bon, dis-moi, bah, Marie, est-ce que du je peux coup, garder tu. des patates? Je fais Ouais, mais un que des tissu de membres breuvage. patates! Du coup, qui c'est qui va faire la voix? Et moi, Pas je moi. vais. Comme il dit que c'est. Comme Marley est une femme, du coup, je vais lui prendre une voix de femme. Wow, Mais quelle grosse Olivia! patate! Elle est Elle est énorme! Ça parle de patate, elle est Attendez, morte de attendez, rire, attendez, tu faut que je le sais. fasse bien. J'ai hâte de rire. Quelle Okay. énorme patate! Oh, ça y est, je commence à avoir un indice. Oui, c'est même un indice énorme! Énorme. La carte est un peu sur le bonhomme quand même. Va me pousser ton. Oh. Quelle trouvaille, Olivia! Cette patate est parfaite. Alors voyons, nous allons la mettre au four. Mais d'abord, il nous faut tous les ingrédients pour faire la meilleure patate au four. Nous manque des herbes de Silverglade et du beurre à l'ancienne. Non, c'est Du dégueulasse. beurre à l'ancienne. Mais Marley, je peux te filer de l'herbe, mais c'est pas la même Non, chose. cette vidéo tourne mal. Mais Marley, tu veux de l'herbe? Va cueillir une poignée d'épices Silverglade. Tu en trouveras au pied du bouleau à côté de l'écurie. D'accord, Marley, j'y vais. Hein. Tu peux pas aller chercher toi-même. Non, Feignant. non, viens avec moi. Et c'est trop con parce qu'on peut pas sauter cette foutue Merde, c'est ça en fait. Ouais. C'est encore plus près hein, que je pensais en fait. Et après, faudra les repousser, je sais, parce que j'ai fait la mission avec Leïla. Oh, Oh, saleté. Oh, cheese. Je vous soupçonne en fait. Ce sont de magnifiques herbes. Bon choix, n'est-ce Bah, on pas? va dire, c'est des herbes quand même. C'est de la Mais bonne. ça, il faut prendre de La l'herbe. bonne, gros. C'est pour ça qu'il s'appelle Yes. Marley en fait. Je suis perdu, c'est où qu'il fallait choper de l'herbe? Sur le petit rond où il y a l'arbre à côté des chevaux. Là. Une torse. Quelqu'un peut lui montrer? Oh la flemme. On a perdu Lily. Mais C'est attends. juste à côté. Il y a un gros point. Attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. C'est où? Pourquoi vous plantez de l'herbe ici? C'est Voilà. débile. Lily est partie à l'autre bout Attends. de la main. Bah, c'est bon, Lily, il est à la tu vallée peux des pas sauter dinos. cette barrière. Non, Allez. on peut pas la sauter. En tout cas, je peux traverser les autres. D'accord. Tu fais ce que tu veux. Il ne nous manque plus que le beurre. Et ensuite, nous pourrons faire cuire notre patate au four. Tradition. Et là, c'est chaud, hein. Et vous, c'est le poireau traditionnel aussi. Peut-être, mais Berlin, vous devez vraiment Tu vas vraiment aller chercher du beurre, tu dis, c'est génial, là. On va faire voir Alex au bureau de poste de Silverglade. Il devrait avoir chier. un paquet de beurre fraîchement baraté. Baraté, il y a Marley a encore changé quelqu'un de qui utilise ce nationalité, mot? il est devenu belge. Raté, ça existe? Je sais pas. Non, mais t'as déjà raté aussi, si tu veux. À qui je te doublerai? Je te Non! doublerai! Non! Si! Oh, des gamines!
N'empêche que Marley, il a... Non. N'empêche que Marley, jusqu'à présent, il a eu 3 voix différentes en une seule quête, hein, quand même. Oui, bah, c'est Marley. Marley, machine qui rechute. Les quoi? Et il y a aussi schizo. Il y a les hormones qui travaillent, c'est ça? Alors, qui fait sa voix, Derek? Merde, j'ai cliqué sans lire. Bon, ah oui, moi aussi, j'ai pas lu. Bon, je peux lire, mais bon, c'est vrai. Comprends, c'est Derek. Ma prétence. Attends, salut Lenny. Bon bah je lis alors. Salut Lenny, es-tu ici pour envoyer ou collecter un colis? Non, l'un et l'autre. Les deux. Un gros colis. Tu reçois, tu l'envoies direct. Voilà. Alors, bon, je fais la suite. Alors, comment vas-tu? Ah bien sûr, j'ai bien un colis pour Marley. Voilà, salut-le de ma part. Wesh. C'est bon, c'est fini. Vas-y, on se casse là. Non, non, non. Je Bah, faut que tu partes saloperie avant, hein. Saloperie. T'es de l'œil. Je voulais dire, c'est que sur la vidéo, on est presque cul et cul. Saloperie. Et Lily est toujours là. Lily, qu'est-ce que tu fous? Lily, il boude. Je crois qu'il suit pas. Ça y est. Et Lily, t'as été chercher le beurre? Non, pas encore, j'y vais. Attendez, on va devoir descendre de nos chevaux, donc si on peut les pousser, on va les mettre là. Non mais cheval, t'es sérieux là? Le cheval qui bouge tout seul, genre, ah bah je veux pas, là, je me casse. Hop, comme ça on gêne pas trop le passage. Alors, quelle voie je lui prends cette fois? Quand tu veux. Osport, fais Olivio. Ce beurre est tout simplement le meilleur qui puisse exister, l'eau. Oh mon dieu, je sais pas ce que je fais. Bon, je vais arrêter ça. L'accent normand repart, s'il te plaît. Non, il faut lui donner l'accent russe. Ah, l'accent russe. Russe. Gloria. Alors, tu es prête à préparer ta patate selon nos traditions? Ma famille, elle la prépare depuis des générations. En plus, ça colle bien, c'est russe, vampire, génération. Putain, mais voilà la tradition de la famille, on sait cuire des patates. C'est quoi, nous, on sait cuire des patates dans notre famille, hein? On savait faire pas mal de choses avec une pomme de terre, genre une boisson, là, je dis quoi, mais là, bah, voyons, alors, tu parles de bière direct. Ah, Lily, va mettre ton canasson à côté des nôtres. Allez, beau, ils sont rangés, cul à cul, c'est magnifique. Alors. Ils sont derrière. Non, Lily, ils sont de l'autre côté. Deux secondes, hein. C'est gentil. C'est à mon tour de la prendre. Tu crois que ça va être facile? Ce n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Mais oui, on lui dira, hein. Alors, ah, voilà, ça marche. Désolée, j'ai planté. Oh, la peau. Donc, ça décoroco? Non, j'ai juste allume le four. Et je suis grimpée sur le cheval et je suis redescendue et je lui ai redemandé. Ah. Faut pas chercher. De toute façon, qu'est-ce que serait tartable sans les bugs? Tartable, ouais. Tartable. Oui, à la française. Non, mais là, c'est pas possible. Même moi, je le dis pas. Tartable. Non, je l'ai avec du beurre. Ouh. Sors la patate du four. Avec nous. Et cassez-vous. Et normalement, le soir, vous êtes censé dormir, les enfants. Pourquoi ça marche pas maintenant? J'ai mis la patate à 2 minutes. Il est resté 2. Ou alors. Waouh, Olivia, ça sent divinement bon. Laisse-moi goûter à ta patate au four. Laisse-moi goûter à ta patate au four. Putain, sorti de son contexte. Bah, attends, tu me diras, tu le fais rien. Oh, laisse-moi goûter ta patate au four. Dégueulasse. Miam, miam. Om, nom. Yeehaw. C'est l'une des meilleures patates au four que j'ai goûtées de toute ma vie. Le mec, il est en orgasme de devant une patate. Je peux pas faire de vodka avec des patates que des patates au four. Qui c'est qui est en train de faire des choses à Marley avec son chien, là? Lily. Tiens, prends mon Par contre, Lily, va pas sur le berceau que les gens puissent faire leur quête.
J'avoue. Elle éveille des souvenirs de mon enfance. Je cuisinais toujours de telles patates au four avec ma grand-mère lorsque j'étais enfant. Attends, le mec, il a pas de vie, en fait. Elle goûtait exactement comme la tienne. Quel beau souvenir. Je pense que la Game Master qui traduit les dialogues est québécoise. Un peu, ouais. De toute façon, il n'y a pas de français dans l'équipe. My life is potato. My life is potato. C'est ça. Non, en fait, mon c'est amour, c'est la purée. Par ma gueule. C'est que tu trouves la purée très fraîche. Hein, hein. C'est ça. Arlight, Arlight. J'essaie de faire l'accent allemand maintenant. Non, je sais pas ce que je fais maintenant. Quelqu'un peut me lire ce mot que j'arrive pas à lire. C'est all right. Merci. La meuf qui dit stable. Ah non, c'était stable. Mec qui dit stable, je sais plus. Oui, c'est moi qui prononce à la française. Stable. Alors à la française, ça fait Alrite, Olivia. Non, j'aurais prononcé Al. En fait, non, je vais peut-être pas le prononcer. On va éviter le massacre. Prononce-le. Non, t'enfonce pas, je te jure. J'aurais prononcé comment ? J'en ai aucune idée, en fait. Aucune idée. Alrite, Olivia. Alrite. Tu sais maintenant comment préparer les patates qui ont survécu au froid de l'hiver ? Il ne reste plus que la dernière partie de nos célébrations traditionnelles. Il est temps de planter de nouvelles patates. Va voir Elvie. Elle va t'expliquer les règles entourant la plante de patates. Quoi ? C'est bien français. Ok, j'ai... Okay. Si vous je voulez, crois qu'elle a bugué, on va arrêter de lire parce que... Je peux te garantir que tu vas aimer ceci. Avec ton goût... Alors là, c'est un mélange d'allemand et de russe. Splendide. Avec ton goût pour la vitesse, nous avons pimenté le tout pour rendre cela plus festif. Prends les patates qui sont ici avant de partir voir Elvie. Hein. Bonne chance, Olivia. Je pense que ce pauvre Marley a des soucis de corde vocale. Enfin, surtout qu'il doit pas vraiment avoir une vie chiante de parler de patates toute la journée. My life is potato. Là, il est où mon canasson? Ah, il est là. Je voyais plus sa tête à cause du cajot de patates, stop. Je te jure. Imagine ceux qui ont un poney. Putain, Maca, ça doit être beau. Ou à sa place, je consulterai un médecin, franchement. À qui je t'ai doublé? Un médecin pour patates? La meuf. On va aller voir la petite. D'ailleurs, elle est trop mignonne. Putain, je me suis bouffée le couteau. Elle est où? Je t'ai doublé. Yeah. Nanana. Ah zut, j'ai pas lu. Merde, bon. Ne sois pas timide, viens participer aux festivités. Es-tu ici pour la course annuelle de plantes de patates? Non, je suis là pour faire de la botte. Salut, belle étrangère. Je m'appelle Elvie. Je suis un peu la femme à tout faire sur la ferme de Marley. Clin d'œil, clin d'œil. Oh, c'est grave. Je pense à des trucs pervers. Je prends entre autres soin des chevaux. Oh non, j'ai arrêté cette voix, c'est horrible. Et je m'assure aussi que la ferme soit toujours en bonne condition. Tu viens de parler avec Malais. Génial. Alors, tu sais sûrement qu'il est important pour nous d'honorer nos traditions. Puis on dirait Applejack, s'il te plaît. Et que nous célébrons la fonte de la neige. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Allez, Lily. Vas-y, balance. T'es autorisé. Vas-y. Non, mais continue à parler sur le texte. D'accord. Juste et comme nous ça. Avons attendu tout l'hiver. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Attends. Non, ah bah, j'ai communiqué. Oui. Moi, c'est bon, je suis partie. Hein. Bah non. Attends, faut aller dans les cercles verts. Ok. N'importe lequel. Merde, je me suis bouffé le mur. Mais je trouve que c'est pour ça. On va la refaire en dehors. Allez, avance. Surtout qu'en plus, on est pas. Surtout qu'on n'est pas obligé de le faire dans un sens particulier. Ouais. Le cercle. Oh, oui.
Mes patates sont toutes plantées. Vite, voilà, avant ma quille. Putain, j'en ai loupé, hein. J'ai gagné. J'ai gagné. Oui, dis. C'était quoi ce saut de l'espace que... En fait, t'as sauté et t'es mort. Ah, c'est pas ça, mais il a sauté, puis après ça fait quand je m'élève, si dans le ciel. Tu t'envoles et tu meurs. Fini. Quand je m'élève, si dans le ciel. Waouh, belle course, la compétition est forte cette année. Viens t'inscrire à la course avec ton groupe pour une autre course. Alors, qui veut grouper avec moi? Bah, vas-y, donne. Vas-y, je te groupe. C'est quoi, tu peux refaire la course, géant. Bon bah, je vous invite et ensuite j'en tâcherai une pour mettre celle que j'ai pas invitée, d'accord? Ok. Bah, j'ai pas recommencé, Pano. Je prendrai la prochaine course. Ah, tu m'as invité? J'ai pas vu, c'est pour ça. Attends, j'inviterai le deuxième. Je t'inviterai après, Lily. Il manque qui là? Il manque Maca. Non, non. Tra, elle est moche la casquette. Regardez-moi cette casquette. Ah, elle est moche, ouais. Elle est particulière. Attends, je vais quand même essayer d'inviter Lily au cas où, mais à mon avis. C'est nul. Ah non, t'es déjà membre d'un groupe, Lily. Je suis comme dans un groupe. The fake. Non, c'est parce qu'on le groupe est plein, voilà. Bon, allez, vous êtes prêts? Vas-y. On appuie sur OK, pas sur quitter. Allez, le bonus. Oh putain. Ça y est, j'ai un truc littéral. Mais qui? Mais pourquoi moi? Parce que toi. Allez, vol, fond la bise, vol. Filament, vol. C'est pas possible. Ah non, je me suis bouffé le quick. Non. Allez, cours. Tu galères un peu là, non? Non, ma qui? Ah putain. C'est n'importe quoi. C'est une musique de... Oh non! Oh non, je suis 2. Oh. Je suis 4ème, j'en ai planté que 8. C'est qui a gagné? OMG noob. C'est qui a gagné? C'est pas Maca quand même? C'est Maki. C'est moi. Ah. J'ai eu peur. J'étais en train de faire la dernière patate. Je me suis dit, on s'est fait doubler par le poney. du coup, qui c'est qui s'en va du groupe? Bah, je quitte. Hop là. Allez, Lily, on en refait une avec toi. Et cette fois, je vous mets la race. Il faut qu'il accepte. Voilà. Moi, je me mets une de ces races. On s'en bat les couilles. J'ai mis ça dans la tête, merci beaucoup. Dans la tête, vous vous acceptez ou vous touchez là? C'est qui a quitté? Je sais pas. C'est toi, Maca. T'es parti trop loin, espèce de patate. Bon, on annule. Ça tombe bien, t'es dans le thème. Non, mais c'est pas grave. Okay. Elle a déjà fait au pire. Parce qu'on est. Bah. Ring. Allez, filament, vol. Allez, mon petit, tu t'approches bien, maman. Je crois que c'est toi. Plus dangereuse. Ah. Oh, c'est pas vrai, je suis trop nul. Ah putain, j'avais oublié qu'il fallait aller. Allez, merde, j'ai raté mon sang. Non, oui, mourir. J'ai gagné, ouais, j'ai fait les premières et deuxièmes. Et après, cette casquette est ridicule. Ce sera pas pire que la course avec les poneys gallois qu'on avait fait à Forfinta, Maki. Ah oui, non, c'est clair. Putain, j'ai 14 et 15e. Voilà. N'empêche que j'ai pas été disqualifiée. Hein. Bah moi si. J'ai disqualifié parce que je me suis pris les Roomballer. Bref, on s'en fout. Du coup, on est tous là. Bah, on va aller dans le parc. On va se mettre en ligne et puis on va dire au revoir. Ok, au revoir. Et là, voilà, c'est bon. Au revoir. Salut, on s'en va. Allez, on se met là. Oui. Et bien en ligne. Hein. Attends, ça. Bah oui, attends. Hein. Voilà. Quel relou.
Mais c'est pas possible, ces deux-là. Vous êtes virés, je me suis craché dessus. Mettez-vous en ligne, les enfants. C'est ma carte. Allez, Xan, va l'autre bout. Mais c'est pas possible. Mais quel sale gosse. Ok, ok, ok. T'inquiète pas, je m'en recharge. Ouais. Je piétine tout le monde au passage. Tu mettras la fessée. Attention, c'était le passage. Oh, t'inquiète pas. Arrête, t'inquiète. Et l'autre qui tourne. Allez, tout le monde tourne, comme ça tout le monde est content. Allez, non. Allez. Na. Allez. Tiens, on va vous rendre visite, on va aller au gros truc. Le sujet n'est pas dans le bon sens. Un tractopelle, ce truc-là, je sais plus. C'est un bulldozer. Ouais, c'est ça. Allons voir le bulldozer. Non, le tractopelle, ça fait fuite avec sa bouche. Tu fais ça avec sa bouche. Vous avez compris, mettez un commentaire. Mettez un pouce, plus. Bon bref, et ben les gens, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et on vous fait des bisous. Bisous. Salut, à la prochaine. Ouais. Salut. Ouais. À la prochaine.